De la pit lane. Du GT3 sur Race Room peut-être. Sans doute du Touring Car. Sans doute faire du DTM ou du WTCC en suite de soirée. L'interminable pit lane. Allez, c'est parti. Je vous cache un petit peu le classement, mais c'est pas grave. Alors on est sur PC. Circuit très très chaud. Non, il est sympa, Houghton Park. Oups. L'équilibre a l'air pas mal niveau son. Merci Skyliner 7. Merci beaucoup. C'est gentil de donner un retour comme ça. Je peux savoir si vous m'entendez bien quand je parle au-dessus du moteur. Donc sur quatre machines, on est sur PC bien sûr. Le son est au top. Merci beaucoup. Génial. Alors que Nicolas qui arrive et qui fait « C'est un petit peu fort le son des voitures. » Bon bah je vais parler plus fort. Ah oui, c'est vrai, j'ai pas de compresseur, désolé. Faites des dons pour un compresseur, bien sûr. Ah, ça y est, les track limits. On baissera un peu le son de la voiture après. Si vraiment c'est un peu fort, ne vous inquiétez pas. En attendant, je vais essayer de parler de manière audible et assez claire. Ouais, enfin bon, je vais pas m'arrêter non plus, t'es marrant. Non, mais... Les track limits sur Project Cars 2. On est 10! Super, venez, venez hein. Rentrez dans la session, Pastor, c'est le mot de passe. Bon là on est en sens d'essai pour voir un peu que la voiture réagit bien, elle tourne. Évidemment, on t'entend fort et clair, pas de problème, merci Feufeu. Bon le temps sera annulé donc on roule un peu au schnapps. Le son est top, merci. Et ben voilà, si ça va chez... une grande partie des gens, peut-être que vos enceintes Fujitsu ou Arai ont un peu souffert. Pardon pour le plot twist. Sympa ta combi. Mais c'est pas une combi, c'est un t-shirt. Mais merci, c'est gentil. Si tu nous sors une embardée digne d'un pasteur des grands jours, pourquoi pas un don? Oh, si AXA, vous savez, moi je connais la piste par cœur, je sais où il faut se mettre dedans. Hein. Ah, un peu trop lent pour un tonneau, mais au moins on est planté, on est tanké. Oh, reviens. Alors, je sais pas, en ce moment, le force feedback du volant me fait quelques frayeurs. Je vais simplement modifier au niveau de la quantité du pardon, au niveau du... voilà, de l'angle, ça me paraît bien. Ok. Ça me semble pilotable. Il reste 1 minute 15. Track limit sur le cancer de P15 2. Je valide. Je valide tellement... Tu l'as trouvé sur quel site ton t-shirt? Le site officiel de McLaren sur leur boutique tout simplement. Bug Danny, excellente référence, très bonne BD. Bonsoir Maxou, encore un bon moment avec toi ce soir. Continue comme ça, tes lives et tes vidéos sont excellentes. Eh bien merci beaucoup cher Bug Danny, au plaisir de se croiser sur un vol. Alors Franck, si vous avez des problèmes, essayez de, pendant la game, de vous reconnecter, c'est pas compliqué. La session s'appelle Maxou et vous pouvez retrouver comme mot de passe Pastor P. Majuscule A-S-T-O-R, c'est le mot de passe pour entrer, c'est pas trop compliqué. Si vous voulez nous rejoindre, voilà, comme ça vous savez tout. Alors on va terminer les dernières secondes. J'aurais pas réussi à la mettre en tonneau. Hein. Bon, tant pis, pas de donation, c'est pas grave. Ça n'importe peu. Alors, Emric qui fait là, Emric il est au taquet avec la Clio, il est premier. Emric en 1.56.055, le joueur franco-belge qui se place devant Monsieur Moule. Ah, je suis sur le
TGT, le Trustmaster TGT, non pas le TSXW qui est en place là derrière moi, ni sur le TSPC qui est également rangé, pour que vous puissiez tout savoir. Ah, et merci à Xavier pour la donation, merci à Xavier de Bruxelles, merci beaucoup pour le don et le soutien, ça fait toujours plaisir. Merci à vous. Tu supportes quelle équipe de Formule 1 ? Je suis une pub ambulante. Non, en vrai, McLaren et Max Verstappen. Pas vraiment Red Bull, je n'ai pas d'affinité particulière, mais Max Verstappen, oui. Tu connais la bière Lacorne ? Malheureusement, oui. Je compte me mettre à iRacing, donc le lien de parrainage va bien aider. Oui, quand vous vous connectez sur iRacing ou que vous voulez me parrainer, c'est ça, vous mettez maxoulepilote@gmail.com. Voilà. Il y a des réductions de malades sur le site de McLaren. Eh oui. C'est bien le T150, oui. Alors, il reste 45 secondes pour la fin de la session. Ensuite, on va passer au qualif. Et là, ça va y aller sec, à mon avis. On va être 10. Ce sera pas exceptionnel comme peloton. J'aurais aimé être au moins 15. Ça aurait été bien pour l'intérêt. Mais bon. Après, le niveau a l'air d'être assez. Ah, Monsieur Moule et Emmerich sont chauds. 1,55, une. Ah oui, Emmerich, il déconne pas. Il veut la gagner. Oh, mais ce son. Oui, le temps fera l'affaire, t'inquiète. Petite question sur iRacing, je suis en classé, je suis dans un classement. Je suis pas dans un classement, je suis là. Oui, c'est normal, ça peut arriver. On peut rejoindre la course. Oui, alors si vous voulez rejoindre la course ou les prochaines qui vont avoir lieu, c'est très simple. Il vous suffit de vous rendre donc sur Project Cars 2 sur PC et de retrouver la session appelée Maxou et le mot de passe avec une majuscule, c'est Pastor, en hommage évidemment au grand talent qu'est monsieur Pastor Maldonado qui nous a quitté trop tôt, bien sûr. Alors. Ah, le t-shirt là! Mais il est plus dispo! J'ai eu un des derniers, je crois. Dommage. Je crois qu'il était dispo qu'en 3XL, quelque chose comme ça. Vraiment, vraiment désolé. Donc, oui, vous pouvez rejoindre la course sans aucun souci. Et je vois que sans aide, la Clio est beaucoup plus fun, premièrement. Et beaucoup plus sympa. Alors, j'ai des petits lags dans mon jeu, j'espère que vous les avez pas. SkyNexus qui nous dit: j'arrive! Eh bien, viens! Plus on est de fous, plus on rit. Alors après, rejoindre cette session-ci, ça va me paraître un peu compliqué. Ouais, je dois faire une course dans la série. Il faut faire d'abord une course dans la série pour être validé. SkyNexus qui est chaud bouillant. Ah, allez, on est 11. Allez, c'est bien. Venez nous rejoindre, évidemment. Ah, vous le vouliez, bah il faut. Je vais dire une bêtise, hein. Il faut s'inscrire au newsletter des équipes de Formule 1. C'est comme ça que j'ai appris que du côté de chez Williams. Oh oui, elle est belle. Magnifique. Ah, celle-là, elle est réussie. Non, effectivement, il y a possibilité de faire des bonnes affaires maintenant. Je crois d'ailleurs que je voulais aller moi chez Force India. Faire quelques petites. Ça ne survire pas un peu too much Project Cars? Ça dépend des aides, effectivement. P-Cars 2 conseillé ou non? Oui, avec un T300, surtout avec un T300, c'est excellent comme combo. Allez, on passe dans la grande courbe, la descente vers Cascade. On est en tout rapide, on aimerait bien qu'on nous laisse passer. Merci beaucoup. Vidéo sur F1 sera régal. Merci beaucoup. On essaie de faire au mieux. Il y en a une qui est sortie d'ailleurs avant, live. Je sais pas si je peux rester en 5 pour la grande courbe. Alors qu'Emeric est sorti, on l'a vu devant nous tout à l'heure. Pas de chrono pour l'instant dans cette qualif. On est 12. Allez, c'est bien. On rappelle que si vous voulez venir, la session s'appelle Maxou sur PC. Et le mot de passe, c'est Pastor avec une majuscule. Tu connais la formule électrique, bien sûr. C'est un gros fan de Sam Bird. D'ailleurs, au passage, je croyais que Maxime Martin, qui quittait BMW, aurait peut-être eu une chance avec la Formule E. Ça aurait été sympa.
Ça donne envie la petite Clio. Eh bien, lieutenant, avec plaisir. Ah. Alors qu'il y en a un qui est venu, mais qui est parti finalement. On est que 11. Allez, il reste 6 minutes 40. 6 minutes 15, pardon, dans la session. Tes réglages sont bien. Peut-être, Cédric, sans doute, oui. Si vous voulez qu'on aille voir après la course, il y a toujours moyen qu'on aille voir un peu dans les setups. Ton t-shirt n'est plus d'actualité, il faut barrer le logo Honda. Oui, mais bon, il est encore bon, on n'est pas encore en 2018, il va encore être bon pendant 10 jours, un peu moins. Allez, on prend la pole. À défaut d'adversaire, je pense que ça tourne pour tout le monde, de toute façon. Maintenant qu'on a un temps de référence, on va pouvoir attaquer. Les gommes chaudes. Oh là là, il y a eu du grabuge dans Cascade. Tu connais la Fun Cup? Oui, bien entendu. Alors, j'ai pas encore vu non, le line-up de BMW pour le WEC. Ah si, si, pardon, oui, je suis bête. Si, j'ai vu avec... Si. Farfus, Tom Schick et... Oui, si. Oui, qui n'est pas exceptionnel d'ailleurs, au passage. Pensez pour Marcus Paltala. Il y a de l'e-sport sur Project Cars, bien sûr, il y a un championnat du monde sur Project Cars. C'est organisé par l'ESL, donc c'est de l'e-sport. T-shirt 25€ chez Forza. Ben, j'aimerais bien, alors si vous voulez me faire un don. J'aime beaucoup le polo bleu qu'ont porté les pilotes. Non, je plaisante évidemment. Mais non, c'est vrai que le polo bleu avec la bande rose de cette année chez Force India, c'est vraiment très joli. Peut-être pas un t-shirt, je suis plus polo. Hein, voilà, si on veut parler un petit peu mode. Alors, est-ce que quelqu'un va nous faire un chrono? Petit survirage là, dans le secteur 3. Continue d'enchaîner. Allez, une 53-9. Une 53. C'est de pas être trop large. Je suis pas sûr pour le line-up... du côté du clan BM, si c'était la bonne solution de prendre que des pilotes issus du touring car, je suis vraiment pas convaincu perso. Je rappelle que vous pouvez vous aussi venir vous joindre à la partie. Ça se passe sur PC Project Cars 2. Dans la session multijoueur, vous cherchez la room appelée Maxou et le mot de passe c'est Pastor avec un P majuscule P-A-S-T-O-R. Et vous pourrez venir vous amuser avec nous. Ah, ça y est, il y a de la bagarre. 4 dixièmes derrière pour un pilote. Ça y est, on a un poleman. On est battu pour 4 dixièmes et on en met 5 de mieux. S'il vous plaît, évitez les caps lock sur le chat pour le live. C'est plus sympa. Allez, on met une demi-seconde de mieux, c'est le retard qu'on a. On est peut-être en train d'aller rechercher la pole, du coup. Alors que là, on a un pilote qui s'est sorti. Ah, je vais rater la pole pour un centième. Ah, c'est cruel! Ah, c'est tellement dur pour 8 centièmes de seconde! Incroyable! On va aller le chercher, hein. On va aller la chercher, cette pole. 8 centièmes de seconde, ça n'est pas possible. Ah non, pas en plein milieu de la piste, pitié. Il
Et on s'est fait... Désolé. Désolé pour le quart contact. Je pensais que ça passait, je suis désolé. Ah, j'ai perdu tout ce que j'avais gagné en plus. Bah voilà, je suis piégé. La vie est cruelle, effectivement. Marche bien le petit losange. Ouais, sympa. Par contre, le chrono est moins sympa, je suis en retard. Ah, là, je vais avoir un off-track, là. Ah ouais. Ah, la pole position qui s'échappe. Catastrophe. Après, est-ce que je peux recommencer un tour? Ah, je crois que je peux. Ah, il y a peut-être moyen. Peut-être encore une tentative. Petit coup de portière. Oh, je suis désolé. Mon mauvais. Avec 4 de dégâts, c'est fini. Mais non. Au feu rouge et paf. Je fais pas de rétro, moi. Fin des qualifs. Emery qui va chercher la troisième place. Oh, oh. Là, on est en train, nous, d'aller chercher la pole, peut-être. Il n'y a personne devant nous, on est bien. Allez, un dixième. Est-ce qu'on va la prendre dans les dernières secondes, cette pole position? Ah, on est déséquilibré. Ah, on a perdu. Là, là. Ah, ah, c'est dur. Ah non, c'est terminé. Bien joué. Ah, il sera en pole blind. Ah, je suis tellement dégoûté de cette erreur. Ah, on aura récupéré, mais pas assez. Ah, je suis tellement salé. Ah là là. Ah là là. Ah, tu comptes faire du iRacing? Ah. À 2 heures près, t'avais bon. On vient de le finir. Bon, bah deuxième position, bravo à Blind qui a fait un 1.52.2. J'y crois. Allez, on plonge vers le premier droit. Blyde qui a pris la tête. Et on descend vers Cascade maintenant. Attention, les pneus sont pas très très chauds. Petit rupteur au calme. Salut, bonjour si vous venez de nous rejoindre dans cette soirée. Cette nuit des abonnés. Faut s'accrocher là. Alors, Blind 74 qui est devant nous. Je crois qu'on a un meilleur run que lui sur la chicane pour le coup. Alors, pour le coup, si vous voulez nous rejoindre, ça se passe sur Project Cars. Sur Project Cars 2, la session s'appelle Maxou et le mot de passe c'est Pastor et on est sur PC. Voilà, si vous voulez venir jouer à Project Cars 2, on va encore faire des courses après. On gardera sans doute la Clio Cup qu'on ira mettre sur un autre
Un autre circuit. Il est où le pare-soleil? Il est parti là, il n'y a plus de pare-soleil. Allez, troisième partiel de ce premier tour. Alors là, il y a une bosse. Si vous freinez dessus, vous êtes foutu. Et premier tour avec Blind, qui est donc pas si aveugle que ça et qui est en tête. Passé en 3, je suis pas sûr, mais pour l'instant ça a l'air d'être bon. Jérém qui est passé P3. Ça va être très très tendu cette histoire. Oh, il a freiné tard. S'en sort bien à la chicane, il a de la chance, bien joué. Ah, il rentre un peu plus large que moi dans les virages. La spi va t'aider, ouais. La dernière chose dont j'ai envie, c'est d'aller le toucher. C'est vrai que tu peux pas doubler sans jouer des coudes sur ce circuit. C'est pour ça que j'aime tant Houghton Park. Va craquer, mais non, il a l'air solide, Blind. Après, il a la pression de 260 spectateurs. Après, voilà, lui, il a pas l'habitude. Le mec essaye tout. Allez, il va rester encore du temps, évidemment, dans cette course. Il y a des retardataires qui arrivent aussi. Tant qu'il n'a pas son caleçon de la couleur de sa voiture, tout va bien. Jaune et brun. Faut forcer et ça passe. Ah, toi t'es nouveau, non? Shoot-le, on n'a rien vu. Ah non, non. Ah, il protège bien. Bien joué. Ah, je sais pas qui a mis ça sur le chat, mais Maxou est forcé, ça n'existe pas effectivement. Le dive bomb. J'ai bien envie de le tenter, le dive bomb. Je suis un peu loin. Alors que la foule est en liesse, 270 spectateurs. Il se défend bien. Ouais, il se défend extrêmement bien et extrêmement proprement. Propre et fair play. Je peux vous dire que quand on sort de la grande courbe, c'est vraiment pas simple. Parce que la voiture est complètement délestée sur la droite.
j'essaie de gratter un petit peu. Vous le voyez pas forcément, mais je lui fais des appels de phare depuis tout à l'heure. Ça doit être une boîte de nuit, son cockpit. Enfin, son habitacle plutôt. Alors qu'on a un retardataire devant. Jean-Sébastien, attention, les appels de phare du leader qui revient sur le retardataire. Attention, Blind qui va peut-être pouvoir profiter du retardataire. Oh, merci. Hop, fallait peut-être pas en faire autant. Mais c'est gentil, merci beaucoup. Ouais, Blind qui a une très bonne cadence. Moi, je suis en train de ruiner mes pneus derrière. Et il reste 7 minutes, il a tenu la moitié de la course. Bien joué. Je peux le faire, mais oui. Là, je me suis loupé par contre. Emmerich est remonté à la 3ème place. Grosse bagarre derrière avec Emmerich et Monsieur Moule. J'ai décroché là. Ah, c'est plus Tomorrowland. J'ai un peu décroché. Ah, commence à aller toucher un petit peu les bords de piste. Je suis bon sur le freinage, mais j'ai pas de quoi déboîter pour aller le chercher. Ça va être dur, il défend propre. Il défend extrêmement bien Blind. On a vu le jardinier au travail. Oui, ça va, j'ai pas fait de matnil non plus. Ah, Emmerich a pris une seconde de pénalité, j'avais pas vu. Il défend à l'intérieur, c'est magistral. Il défend extrêmement bien Blind. Superbe. Oh, ah, ça peut pas passer, je dois freiner trop pour braquer. Carapace rouge. Le Bill, vite! Oh, je me suis loupé là, complètement. Complètement loupé. Cinq minutes pour aller le chercher. La voiture qui commence à glisser. On sent que les pneus avant sont en train de mourir. Ah, Emmerich a dû se frotter à la moule, effectivement. Le petit coquin. Pour l'instant, voiture en état 100% nickel. Hein. Sous-virage, c'est terrible. Rester en 4 sur celui-là. 4 minutes au chrono. C'est un peu plus tardif sur les freins. Pas forcément ma volonté. C'est ouf, bravo, franchement, super défense, j'arrive pas à passer. Car on your left.
ça veut pas. Hein. Salut. Salut Maxime, salut à tous ceux qui viennent d'arriver. Ah, j'ai déséquilibré l'auto. J'étais mal mis. Il reste 3 minutes. Ah bah fin de course. Je vais là. Je vais tomber en panne d'essence. Je vais tomber en panne d'essence pour un tour, je crois. Fuck my life! Merci beaucoup donc à Project Cars qui m'a estimé 13 tours de carburant. Quel jeu de merde, mais quel jeu de merde! Il va la gagner, j'irai pas au bout, j'ai pas assez de fuel. Il a plus de pneus, je sais pas. Bon, il va la gagner, Blind, parce que je vais aller en panne d'essence à la fin de ce tour, rentrer au box. Ah, c'est dur, hein. C'est très très dur à une minute. Ah, salaud. Bien joué. Bien joué, bien joué. Belle défense. Ah là là, la panne d'essence. Mauvais timing, mauvais calcul. Ah, c'est vraiment pas de chance, hein. Voilà, c'est terminé. Ah, mais fuck my life! Il reste 200 mètres! Je vais pas faire l'arrivée! J'y arriverai pas! Oh, oh, c'est tellement cruel! Oh, mais non, mais il reste 200 mètres! Eh bien, c'est terminé! Et bien voilà, j'avais bien calculé mon coup, mais j'ai trop consommé. Ah, fuck my life. Bon, et bien, c'était une magnifique bagarre avec Blind, mais comme d'habitude, le coup de la panne, Jackie X n'était pas avec moi ce soir. Nous sommes 78, JPP. Mais je voudrais bien la pousser, mais je peux pas là. Je peux pas faire une finale à la Michel Vaillant. Ah, oh, mais je me déteste. Le sel. Et devant 300 spectateurs, Max Super son premier titre. Incroyable. Ah, oh, bon bah top 10, hein, GG.